Salut tout le monde, c'est Dargo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo facecam qui sort de l'ordinaire, si on peut le dire. Bon, c'est une vidéo plutôt courte parce que je n'ai pas pu trouver les preuves nécessaires pour vous montrer pendant plus longtemps. En gros, c'est pour vous dire et pour vous montrer, vous dire pourquoi j'ai chanté La Reine des Neiges. Voilà. Pourquoi je l'ai chanté, j'ai fait une vidéo où je chantais La Reine des Neiges. Donc bon, j'ai juste ce screen là, bon je l'affiche à l'écran à ma place, et puis bah sinon j'ai pas trouvé exactement la discussion avec la personne en question, mais du coup je vais vous remettre dans le contexte. Donc à ce que j'ai pu voir dans la période, je crois que c'était le 16 mars, un truc du genre, mi-mars à peu près de cette année, il y a moi qui, comme un con, j'ai dit: ouais, si jamais je n'arrive pas à... En gros, il y avait le serveur qui était en maintenance. En gros, le serveur Unity était en maintenance. Du coup, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, si jamais le serveur, il n'est pas de nouveau OK, genre on était le... Ouais, bon, on était un jour quelconque, peut-être le dimanche ou un truc du genre. J'ai dit, si jamais le dimanche soir, le serveur n'est pas remis, eh ben, je vais devoir faire une vidéo où je chante La Reine des Neiges. Je pensais vraiment que j'allais réussir, je me disais bon ok ça va. Et puis bon, le petit souci quand même, c'est que j'avais pas précisé quel serveur je parlais. Donc ils ont tous pensé à mettre le serveur faction bordélique. Il se trouve que la map du serveur faction bordélique, elle pèse 3,37 gigas. Avec ma connexion de merde. Ouais, le transfert en fait, pour vous dire, genre j'ai commencé le transfert peut-être vers 19h, 20h le dimanche, je voulais le finir à minuit, bon déjà j'ai un peu galéré puis j'ai pas réussi, mais à part ça, j'ai même fait un truc du bled affreux, j'ai essayé de me dire, ah mais tiens, vu que c'est une machine, il n'y a pas moyen que au lieu que ça prenne ma... En gros... pendant le transfert, si c'est moi qui transfère directement à la machine via transfert de fichiers, ça met 3 plombes vu que ça utilise ma connexion à moi. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire en sorte que ce soit la machine qui prenne chez moi, comme ça va plus aller plus rapidement vu que ce sera sa connexion qui sera en jeu. Et sa connexion est bien plus rapide. Donc pourquoi pas faire ça? Mais le petit souci... C'est que j'ai essayé de faire un site web en fait. Ouais, j'ai fait un site web en local sur mon PC. J'ai pas réussi à faire en sorte d'accéder au fichier avant minuit. Et puis après, bon, je me suis dit, bon, bah tant pis, à la limite, on l'espère la manière normale et puis on attend un peu. Et en attendant, attendez. Essayez, mettez des pronostics, je vous mets trois dates dans l'affiche. Essayez de me dire quel jour c'est sorti. Quel jour c'était prêt. Voilà, quel jour le transfert c'est fini. Juste, c'était juste le transfert du bordel qui me semble. En plus. Voilà, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir à ça. Et voilà, c'est fini, c'est fini. Bah voilà, bon bah. Du coup, le transfert a duré un jour et demi. Donc en gros, il s'est fini lundi après-midi. Oui, lundi. Non, 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 pardon. Non, mais mardi après-midi, qu'est-ce que je raconte? Il s'est fini mardi après-midi parce que, en fait, genre le transfert, il était beaucoup trop long. Mardi après-midi pour du 3,37 gigas avec mon PC, donc à peu près 2 jours en entier. 2 jours non-stop le PC allumé. Ça a mis ce temps-là. Je crois quand même qu'il y avait entre-temps, il y avait peut-être des transferts de vidéos YouTube aussi, mais pas au début du tout. La première nuit, il n'y avait rien du tout de transfert vidéo YouTube. Les autres nuits, enfin l'autre nuit après peut-être, et la journée d'après aussi sans doute. Parce que du coup, pour que ce soit si long quand même. Mais en vrai, déjà le transfert, ça me mettait beaucoup de temps restant. Je sais plus combien ça me mettait. Ça devait me mettre... je sais plus. Non, en vrai, j'ai aucune idée. Je crois que c'est peut-être une vingtaine d'heures. Un truc du genre en restant. C'était affreux, putain. C'est ouf, ce truc. Et puis, à part ça, du coup, dans cette vidéo,
Je voulais aussi vous parler, donc déjà, bon, là je tourne la vidéo à peu près, donc là je vais vous parler de Fortnite. Là, le petit gage que j'ai mis en jeu, si jamais j'arrive pas à monter niveau 15, ce qui est quand même très probable d'arriver, parce que j'ai joué hier pendant 1 heure et demie et je suis passé du niveau 10 au niveau 11. Sachant que j'étais au niveau 10 à 200 d'XP. Donc, donc voilà, en plus c'était un dimanche hier. Donc, attendez, un dimanche quoi, un dimanche, j'arrive pas à faire ce truc. Et bah voilà, donc bah, c'est très probable que dans, je crois que c'est jeudi, voilà, la vidéo sortira. C'est absolument probable que je ne vais pas réussir. Et d'ailleurs, j'ai juste changé peut-être les conditions du défi. Ça me paraît un peu trop libre pour ce que je vous ai proposé, et puis du coup, vous n'avez pas forcément d'idée en plus. Donc, en gros, ce que j'avais dit, c'est que si j'ai, en gros, je suis niveau 10 sur Fortnite, et j'avais dit, j'avais promis, si jamais je n'arrive pas à monter jusqu'au niveau 15 pour la vidéo de jeudi, donc la vidéo qui sortira ce jeudi-là, si j'arrive pas à monter niveau 15 sur Fortnite, eh ben, il y aura une vidéo ou même la vidéo juste Fortnite où je ferai. Enfin, non, c'était de base où je ferai une autre vidéo sur ce que vous voudrez. Donc voilà, donc ça pourrait être. Comme je l'ai proposé, ça pourrait être un court-métrage Fortnite, ça pourrait être n'importe quoi en fait. Un. Bon, bah. Ça, je sais pas si ça sera intéressant, un nouveau clip. Aucune idée. Mais voilà, du coup, des trucs du genre. Mais je me rends compte que c'est un peu trop libre. Et que du coup, en fait, le mieux, je pense, c'est de vous proposer de choisir comment je ferai ma prochaine intro. Donc, par exemple, vous pouvez dire avec un accent spécial ou... qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que, par exemple, sinon, ouais, la prochaine vidéo Fortnite, je la ferai... Putain, est-ce que j'ai vraiment une idée? Est-ce que j'ai une idée? La prochaine vidéo de Fortnite, je la ferai où je devrais spawn tout le temps dans un endroit de votre choix, par exemple. Un endroit qui peut être chiant, par exemple. Ou un endroit juste où il y a beaucoup de monde, comme ça me force à aller taper les autres. C'est comme vous voulez, en tout cas. Donc voilà, comme vous voulez. Moi, en tout cas, je me suis entraîné sur le volcan hier. Et j'ai tué quelques personnes. Je crois que j'ai rajouté 2 personnes à mon compteur total de kills. Ce qui fait 4 personnes sur toutes mes games Fortnite. Waouh! C'est extraordinaire quand même. C'est le meilleur nombre de kills au monde. Bon, bref, à part ça. Quand même, juste en une après-midi, quand même, j'ai réussi à faire le même nombre de kills que j'avais fait avant en 6 mois. C'est abusé, mec. Comment on explique ça? Bon, bref. À part ça, c'est peut-être que j'avais un peu trop joué par rapport aux autres fois. J'avais plus joué, je pense. En continu, surtout. Donc, je risquais pas de perdre mes habitudes. Et puis, j'allais au même endroit, en fait. J'utilisais pas la bulle non plus. Donc, ça me forçait à chaque fois que je mourais, en fait, vu que je mourais dès le début, si jamais je tuais pas l'autre personne. Vu qu'au volcan, il y a quand même des gens qui arrivent. Donc, tu vas dans le volcan, et bah, soit tu te fais tuer, soit tu tues le mec. Donc, t'es juste atterri au volcan. Si tu meurs, bah, après tu relances, et puis c'est plus rapide que si jamais je vais prendre une bulle, il n'y a personne à côté de moi, je passe 20 minutes avec personne, et qu'après je rencontre un mec qui me tue en un coup. C'est un peu mieux. Voilà. On va quand même estimer ça, quoi. Bon, du coup, en tout cas, voilà. Là, c'est la fin de la vidéo, donc vous avez su pourquoi. J'ai fait ce clip, La Reine des Neiges. Oui, ouais. Je me rends. Non, en vrai, je me rends compte que je l'ai fait. Mais c'est bizarre, en fait. Je m'en fiche un petit peu de que je l'ai fait ou non, en fait. Enfin, en vrai, genre, ça provoque pas plus d'effet que je le pensais. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment hyper cool à le réaliser. C'était trop galère quand même. Genre, j'avais galéré au début. En fait, c'était avec le mode replay mode. Je crois que je l'ai mis dans la description.
où en gros vous avez une cinématique genre où ça tourne autour de d'une base d'équipe du jeu Frozen Kingdoms qui va d'ailleurs sortir à Noël 2019 parce que là j'ai pas eu le temps de le développer et c'est mieux à Noël du coup vu qu'en plus on était un peu en retard quand même sortir un truc la Reine des Neiges en avril c'est pas non plus le meilleur c'est pas du tout dans le thème mais bon c'est pas grave ça. Et bah du coup voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Une vue égale un like, c'est important pour le développement de la chaîne. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss! Et d'ailleurs j'essaie de sortir les vidéos à 18h chaque jour maintenant. Parce que je crois que je ne l'avais pas annoncé officiellement, du coup je ne me tenais pas tellement à cet horaire. Donc là, elle n'est pas sortie à 18h, je pense, cette vidéo, parce que j'aurais fait un peu de montage et puis que j'aurais dû la tourner le matin même. Mais pour la vidéo de demain, ça sera sûr et certain qu'elle sortira à 18h. Donc voilà, restez informés par Twitter aussi, je vous dirai si elle sort à l'heure ou pas. Et bah voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc. Tchuss!